Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme dans le signe des Gémeaux le 8 décembre à 4h09 du matin en temps universel. C'est la dernière pleine lune de l'année. Cette lune qui, dans sa danse avec le soleil, nous relie de façon intime et profonde à notre rythme de vie. Et qui nous rappelle que tout est cycle, phase, mouvement, semence, récolte, dépouillement, fleurissement. Et qui nous rappelle que cette alternance participe à un juste équilibre que nous peinons souvent à comprendre parce que nous avons des attentes, des espoirs, des regrets, que nous nous berçons d'illusions. Et pourtant, ce rythme lunaire nous invite à cesser de nous agiter dans tous les sens en croyant qu'il faut performer, trouver des solutions, qu'il faut réussir absolument notre vie. Ce rythme lunaire nous accorde au grand rythme de la vie, au souffle de l'univers. La lune, elle nous parle de nos besoins essentiels et elle nous fait tourner les yeux vers le ciel étoilé pour nous rappeler notre dimension cosmique. Lorsque nous nous relions à elle, nous donnons du sens. Et peut-être que si cette pleine lune pouvait parler, elle s'adresserait à nous en nous soufflant doucement, de nous poser, en nous disant « Est-ce que tu as besoin de trouver des solutions à tout prix? Est-ce qu'il y a une véritable urgence? Pourquoi te précipiter ?» Et si en fait l'urgence c'était de ralentir? Parce que la Lune est conjointe à Mars rétrograde. Et en fait, ben là, on est vraiment dans la rencontre avec ce Mars rétrograde. Elle dialogue de façon sage et harmonieuse avec Saturne, ce qui va nous permettre de trouver un équilibre. La planète maîtresse de cette lunaison, Mercure, se situe en Capricorne, ce qui nous invite à l'introspection, à la réflexion, à la sagesse, à la pondération. Mercure est en conjonction avec Vénus en Sagittaire, qui dialogue avec Neptune, avec Jupiter, et ça c'est un aspect qui nous incite à la prudence, à la modération dans nos projections, dans nos interprétations, dans nos dépenses. Attention, il y a de la subjectivité dans l'air. On observe également dans le ciel de cette pleine lune une conjonction étroite, très intéressante entre Pallas, Athéna et la lune noire. C'est un mariage sacré d'énergie féminine qui exprime la puissance du féminin, la puissance de l'intelligence émotionnelle et la nécessité pour tout homme, pour toute femme, d'accepter son passé, d'accepter son histoire, de le transcender, de mettre des mots sur nos blessures, sur ce que nous transportons de la lignée et de transcender l'ultime blessure surtout. Pour moi, la lune noire, bien sûr, elle symbolise beaucoup de choses, mais j'aime m'intéresser à elle en ces termes. Dans le symbole, comme étant le symbole de la blessure ultime, celle à laquelle on s'agrippe, ou celle qui est comme un dossier de preuve qui nous empêche d'être heureux dans la vie, en fait. Et au fond, je trouve que la lune noire nous parle de notre incapacité, peut-être, ou notre grande difficulté à tourner la page, à réécrire notre histoire, ou à faire preuve de résilience. En tout cas, c'est intéressant de l'observer en ce sens. Et donc, dans ce dialogue entre Pallas et la lune noire, il y a une invitation à la transcendance. Au carré de Junon, il y a aussi de la colère, de l'amertume, quelque chose là qu'on ressasse, qui doit être transcendé également. Et puis, il y a cette conjonction entre le nœud nord et Uranus qui nous rappelle que c'est souvent le chemin qu'on emprunte, ou qui est le moins emprunté, qui est le plus intéressant. Voilà. Mais pour revenir vraiment à l'aspect principal de cette pleine lune, à la conjonction avec Mars rétrograde, eh bien en fait, je dirais que c'est une pleine lune qui nous propose de réussir le mariage entre sensibilité et force. Le carré de Neptune, il nous parle d'aveuglement, de confusion et de précipitation subjective. Donc l'invitation, c'est vraiment d'éviter les jugements hâtifs et de garder en tête peut-être que le degré d'embardement maximum de la rétrogradation de Mars est atteint et qu'après, ça va aller mieux. Donc, relativisons et ne soyons pas à tout prendre de façon personnelle.
Mars, c'est une planète qui nous pousse à prendre le risque de la vie. Mais comme en ce moment, la planète est rétrograde, eh bien si elle aussi, elle pouvait parler, elle dirait « Hey, toi, fais une pause, cesse toute agitation, observe la situation calmement. Tiens-toi face au challenge que la vie te propose. Affronte-les avec ton cœur, avec courage, avec douceur, avec confiance surtout, et présence à ce qui est, en accord avec les cycles de la vie. Et puis laisse les choses advenir, ne réagis pas dans l'urgence, au sentiment d'inconfort, au sentiment de stress, de panique que tu peux ressentir. Essaye d'agir à partir d'un espace de maturation qui n'est pas parasité par la peur. Donne du sens à ce que tu vis plutôt que de chercher des solutions à tout prix. Je pense que c'est vraiment le message principal de cette rétrogradation de Mars et de cette pleine lune. Mars, c'est un principe de force, de combativité, de confrontation avec le monde extérieur. Mais cette dynamique, elle est totalement chamboulée par les énergies lunaires qui sont très versatiles en plus et éparpillées puisque c'est une pleine lune mentale, impatiente, nerveuse, dans le signe des Gémeaux. Et comme Mars est rétrograde, Mars, il est désarmé. Sa puissance, elle ne peut pas être extérieure, elle doit devenir intérieure, lunaire, s'accorder à l'énergie du féminin. Donc, notre puissance, elle vient de nos forces intérieures, du monde lunaire, du monde de la nuit, de la psyché, des symboles, de l'inconscient. Elle nous fait travailler la blessure de Mars, enfin la blessure de la lune et de Mars, celle du cordon à couper. De l'oiseau qui doit quitter le nid, qui doit accepter de grandir, qui doit accepter de renoncer à tout ce qu'il n'a pas eu dans son enfance. Et peut-être que cette relation cette souffrance, celle où on doit trancher le cordon, ce lien fusionnel et dépendant, c'est une répétition de quelque chose qui nous a mis dans l'attente, enfant. Et cette pleine lune, elle nous invite à grandir à soi, à aller vers le monde en douceur et à nous y sentir en sécurité. Elle nous pousse à sortir du ventre, sortir de la matrice, à trancher des liens qui ne sont pas bons, qui sont malsains pour nous. Elle vient donc nous challenger émotionnellement très fortement. Et si on n'est pas dans la méditation, dans la sagesse de Saturne et du Capricorne, on sera dans l'irritabilité, la fatigue, l'épuisement nerveuse. Par contre, si on incorpore ces valeurs du Capricorne, la lenteur, l'introspection, la sobriété, l'économie d'énergie. À ce moment-là, ça sera une pleine lune très riche, très sereine, très lumineuse. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Mars, tant qu'il est rétrograde, il nous pose la question du moteur que l'on utilise pour avancer dans notre vie. C'est vraiment le travail du moment. Moi, c'est sur quoi je travaille en pratique épigénétique. Si je perçois les situations contrariantes, très très désagréables que je vis comme des agressions et que je n'arrive pas à me sentir en sécurité face à une situation désagréable, forcément, je ne vais pas utiliser le bon moteur. Donc, posez-vous la question, est-ce que cette situation que je suis en train de vivre est désagréable, dangereuse, c'est quoi? Parce que si elle est désagréable, je peux la gérer avec ma conscience élaborée, c'est-à-dire avec mon intelligence émotionnelle, avec la présence de mon âme. Mais si je suis en danger, mais je vais réagir dans l'instinct avec les réflexes. Mais c'est pas bon de réagir dans l'instinct avec nos réflexes si on perçoit une situation désagréable comme dangereuse, si on n'est pas en sécurité en fait. Donc, je vous invite à faire une pause et à noter toutes les situations que vous vivez en ce moment. Notez-les. Vous pouvez appuyer sur le bouton pause. Voilà. Donc, on imagine que vous avez fait votre petite liste. Vous le ferez peut-être après. Et vous voyez, peut-être la liste, elle est très longue. Mais demandez-vous avec quel moteur vous gérez ces situations pour chacune. Est-ce que c'est avec le moteur du stress, du surmenage? Parce que si c'est le cas, vous puisez dans vos réserves. Et là, attention, parce que Mars rétrograde, c'est épuisement dans le corps, moral, physique, complications extérieures, sensation d'être agressé en permanence, l'inflammation qui revient, l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et si, à côté de quelque chose de stressant,
Vous vous dites, bon, ben là, y a... Enfin, non, c'est un vrai danger, c'est non négociable. Mais en fait, ça ne puise pas dans vos ressources. Parce que vous avez le bon stress pour réagir, on l'a en nous. Sauf si vous avez épuisé vos ressources. Voilà. Donc, face à toutes ces situations désagréables, je vous invite à les offrir à l'intelligence de votre cœur. À vous dire, allez, que ferait l'amour maintenant face à cette situation? À donner peut-être carte blanche à votre âme. Et à lâcher prise. Hein. Mais attention, hein, l'idée, c'est pas de « je fuis la réalité hein, », parce que ça ne marche pas assez. Sortir de l'illusion du contrôle pour retrouver la confiance en la vie. Ça nous fait sacrément travailler. Voilà. Il y a de l'agressivité dans l'air et une grande, grande nécessité de garder son quant à soi, d'être au plus proche de son cœur, et donc de gérer nos situations de vie stressantes avec le bon moteur pour pouvoir faire appel à notre conscience élaborée. Voilà pour cette pleine lune. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à aller sur astrobohème.fr pour profiter de nos jolies offres de Noël. Elles sont là pour tout le mois de décembre. Alors, il y a Amour de Lune, le Moon Journal en version PDF, l'e-Moon Journal, voilà. L'e-Moon Journal avec l'oracle de la Lune. Et puis, il y a Amour d'Oracle, les trois oracles. Je n'ai pas les prix en tête, mais vous allez voir, c'est des offres vraiment intéressantes. Et elles seront valables tout le mois de décembre. Gros gros bisous. Je vous retrouve pour la prochaine lunaison en direct du Mexique, de Tulum, où je m'envole pour un bon moment. Voilà. Gros gros bisous. Et prenez bien soin de vous, de vos émotions. Et puis ça ira bien.